Samedi 31 décembre, le prince Albert II de Monaco a adressé ses vœux au Monégasque dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la principauté. Une allocution pas tout à fait comme les autres puisqu'il a été rejoint par son épouse Charlène et leurs jumeaux, Gabriella et Jacques. Si des millions de Français étaient devant leur poste de télévision ce samedi 31 décembre pour les traditionnels vœux de fin d'année du président Emmanuel Macron, le prince Albert II de Monaco a quant à lui choisi d'adresser ses meilleurs vœux au Monégasque par le biais d'une simple vidéo postée sur les réseaux sociaux de la principauté. Après avoir rappelé que 2022 fut une année d'épreuve pour toutes celles et ceux qui subissent la guerre, l'oppression, les violences et l'intolérance dans notre monde tourmenté, le souverain de Monaco a souligné que 2023 sera une année d'élection et de commémoration du centenaire de la naissance de son père, le prince Rainier III. Après un long discours, le prince Albert a été rejoint par sa femme, la princesse Charlène et leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella. Une grande première, Charlène de Monaco et ses enfants, Gabriella et Jacques, ont fait une apparition remarquée durant les vœux du prince Albert. Pour la première fois, la princesse ainsi que les jumeaux ont présenté leurs meilleurs vœux au peuple monégasque. Ma famille se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour l'année 2023, a déclaré le souverain monégasque avant qu'il n'entonne à l'unisson, bonne nouvelle année. Happy New Year. Bon anno Noé. Cette intervention surprise n'a pas manqué de faire fondre les internautes, qui ont également adressé leurs meilleurs vœux à la famille royale. Bonne année à tous les monégasques, au prince Albert et tous les princes et princesses, meilleurs vœux à la famille princière, très beau discours de vœux qui reflète bien la réalité de notre monde. Bonne et heureuse année 2023, bonheur, joie, santé et surtout la paix. Prenez soin de vous, peut-on notamment lire en commentaire. Une rare apparition à la télévision aux côtés de sa sœur Stéphanie avant de présenter ses traditionnels vœux de fin d'année aux côtés de son épouse et de ses enfants, le prince Albert II de Monaco était apparu la veille à la télévision aux côtés de sa sœur, la princesse Stéphanie, à l'occasion du Festival international du cirque de Monte-Carlo, diffusé sur France 3. Le maître de la piste, Monsieur Loyal, a d'ailleurs tenu à remercier le souverain de sa présence au nom de tous les artistes réunis sur cette piste ce soir, au nom des professionnels du spectacle vivant, au nom du grand public et du public monégasque. Et de poursuivre, permettez-moi, Monseigneur, de vous saluer et de vous remercier pour votre présence qui honore, comme chaque année, le plus grand festival international de cirque du monde entier. Article écrit en collaboration avec Cimedia.